Bakulutu bayembaka kitoko ya mwasi ezali lokola kololo. Durant plusieurs mois, les combattantes et combattants congolais ont participé à un sondage sur le thème « Les 10 femmes combattantes les plus belles ». Voici le résultat. Bakulutu bayembaka kitoko ya mwasi ezali lokola kololo. La beauté n'étant pas que physique, plusieurs autres critères ont été pris en compte dans le choix individuel de tous les participants à ce sondage, important de le rappeler. Top, c'est parti, en 10e position, la combattante, Benezo Bassé et la victoire. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. Top, en 9e position, le charme, au rendez-vous. Voici Tricia Mudela. En douceur, voici Nicole Moutelou en 8e position. En 7e position, les combattants ont voté Marie-Paul Capinga. L'élégance a un nom, c'est Roseline Le Peuple d'abord, qui est classée en 6e position. De jus d'orange sans pulpe, voici, en 5e position, les FASA. Cyril Takis, les encotos comme ce ne sont pas. Et continue à ma sanguine. Faute à distance. Avec un sourire, taillé sur mesure, les combattants ont voté, en 4e position, Agnès Kalongi. Ta, ta, ya bon, ta, ya bon.
Attention, bientôt le top 3. Bakulutu bayembaka kitoko ya mwasi, ezali lokola kololo rose. Top, liant l'élégance et le charme, les combattants ont désigné, en troisième position, Madova, la marraine. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Le verdict des urnes, la place en deuxième position de ce classement, voici Liliane Bimba. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Top. La soumission à la beauté naturelle porte un nom. C'est ainsi que les combattants ont placé en première position de leur vote Myriam Chouchouna. Nous les hommes pauvres et diables.